le chèque. Et bien voilà une bonne nouvelle parce que cette update, elle coûte un argent complètement fou. Salut, je suis avec mon petit singe Ninja Monkey. Je pense que c'est un peu quand même mon préféré des trois singes grâce à son masque, son joli masque de Kitsune. Et en plus, j'ai appris grâce à vos commentaires, parce que vous m'apprenez plein de choses, je sais plein de choses, mais il y en a aussi qui savent autant que moi, voire plus dans ce cas-là, que ce singe est un légendaire. Je croyais que c'était un rarissime, et en fait, non, pas du tout. Regardez, quand on touche, quand on laisse appuyer, on voit apparaître en bas que c'est un légendaire. Alors vraiment, je suis super contente d'apprendre que j'ai un légendaire. Voilà. Je ne le savais pas et c'est la bonne nouvelle. Parmi tous ces singes rares que j'ai, eh bien, j'en ai au moins un légendaire. Par contre, effectivement, celui qui me manque, c'est celui-là. Et vous savez que j'ai très, très, très envie d'avoir un singe de chaque. Comment faire? Je suis super embêtée parce que vous savez que je vous ai dit hier que là, voilà, la Premium Monkey Box, elle coûte très, très cher. Elle coûte 2 euros, 2,50 €. Voilà, 200 Robux. Et c'est pas donné, surtout quand on sait la chance que j'ai à l'ouverture des œufs ou des cadeaux. Et là, c'est pareil, à l'ouverture des boîtes, j'ai pas beaucoup de chance. J'ai très envie quand même d'essayer d'en avoir un. Alors, je suis très partagée en fait. Parce que j'ai à la fois très envie d'essayer d'en avoir un tout en sachant que je n'ai pas de chance. Et j'ai très envie de vous en offrir. Voilà, je sais que vous, vous n'avez pas forcément la chance d'avoir des Robux. Ça doit être un peu difficile de voir des vidéos où des gens qui ont des Robux ouvrent les boîtes, ont de la chance. Alors, ça vous fait sans doute plaisir en même temps, mais vous, vous aimeriez bien avoir la boîte aussi. Donc, je ne sais pas trop, j'hésite, je suis en pleine hésitation. Donc, le temps que je me décide et que j'aille me changer, parce que je viens de me rendre compte que ce n'est pas du tout le skin que j'avais prévu pour cette vidéo. Eh bien, écoutez, en attendant, si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de liker, de commenter et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je pense que y en a certains, oui, parmi vous qui regardent mes vidéos, qui les aiment bien et qui ne s'abonnent pas. Eh bien, écoutez, c'est le moment ou jamais de mettre un petit abonnement. Allez, on se retrouve juste après, je vais me changer. Et me voilà avec ma petite tenue spéciale cirque. Alors, bon, le pantalon, c'est un pantalon que j'avais, mais ce t-shirt, c'est un t-shirt fait par Camille. Vous connaissez certainement sa chaîne, hein, sa super chaîne. J'aime bien soutenir les autres youtubeuses. Peu importe qu'elles aient plus ou moins d'abonnés que moi, c'est pas grave, je trouve qu'on peut s'entraider. Il y a de la place pour tout le monde. Et Camille, vous le savez, hein, je lui poste ses t-shirts. Sur son groupe, donc vous trouverez ce t-shirt-là sur son groupe, il est super mignon, regardez pour aller au cirque, comment c'est juste parfait. Donc voilà, entre-temps j'ai bien réfléchi et je me suis dit j'allais acheter quelques boîtes, j'ai pas beaucoup beaucoup de Robux, j'en ai pour 5 boîtes je crois, et je vais essayer d'avoir le singe albinos. Si jamais je l'ai à la première boîte, eh bien écoutez, les autres boîtes seront en concours, et etc. jusqu'à la dernière boîte qui sera en concours. En tout cas, je n'ouvrirai pas la toute dernière boîte, il y en aura au moins une. J'espère que je vais avoir de la chance, donc croisez les doigts, priez pour moi, faites tous vos voeux, et puis mettez des likes aussi, tiens, puisque peut-être que ça marche, hein, je vois sur les autres chaînes de YouTube, je vois Sana tout le temps en train de dire de mettre des likes. Alors mettez des likes. Et oh, j'ai vu la dame. Oui. Pourtant, je suis sur un petit serveur. Il n'y a pas grand monde parce que je ne voulais pas non plus qu'on me saute dessus. Alors j'ai une clone car. Alors est-ce que vous voulez que je fasse des trades de voitures pour voir un petit peu ce qu'on me donne pour les voitures? J'aimerais bien voir un petit peu parce que j'en ai pas mal, j'ai ouvert beaucoup beaucoup de cadeaux et j'ai eu de la chance en tout cas pour les véhicules. Ah, quelqu'un a besoin de dormir là-bas derrière. Oh, j'ai encore une autre voiture. Je vais être vraiment l'inventaire rempli de voitures, mais pas de bâton du roi ni de singe albinos. Je voudrais vraiment vraiment avoir le singe albinos, comme ça il me restera des boîtes pour vous.
Allez, s'il te plaît, la boîte, donne-moi un singe albinos. Je veux vraiment avoir ce singe. En plus, ça me fait penser à un singe qui s'appelait Copito de Nieve. C'était un singe dans le zoo de Barcelone. C'est très très rare, les singes albinos. Allez, c'est un gorille d'ailleurs, pas un singe. Hein. Là, c'est vraiment des petits singes. Ok, j'ai toujours pas. C'est une catastrophe. Je crois que je vais pas réussir à avoir ce singe. Je n'ai vraiment pas de chance. Et à chaque fois que j'ouvre une boîte, je me dis, mais non, je devrais pas l'ouvrir. Voilà, elle est tellement belle cette boîte en plus. Vraiment, je la trouve magnifique. Le petit. Ah, le bâton, le staff. Ah, ben chouette. Ben écoutez, j'en ai un. On peut les avoir que dans ces boîtes. Donc forcément, si j'en veux d'autres, il va falloir renflouer le compte des Robux. Mais en tout cas, là, j'aimerais vraiment, vraiment, voilà, en garder une. C'est celle-là. Je ne peux plus ouvrir. J'ai eu un bâton. J'ai quand même déjà un début de chance, hein, d'avoir au moins un bâton. J'ai tout plein de singes que je vais pouvoir mettre en néon. Et je vous garde cette boîte. Alors évidemment, vous savez comment participer au concours. Il faut mettre un commentaire. Alors vous m'écrivez ce que vous voulez, ce que vous avez envie de me raconter. Et puis vous mettez votre pseudo. Et puis je ferai un tirage au sort des commentaires. Alors il faut que je me débrouille parce que j'ai déjà vu faire ça dans d'autres vidéos. Mais je pense que c'est sur PC. Donc je vais essayer de voir comment faire depuis ma tablette. J'ai pas encore fait comme ça parce qu'avant les concours, je les faisais un petit peu. C'était un petit peu artisanal, c'était un petit peu à la main, mais entre-temps, il y a énormément de gens qui se sont abonnés et je vous remercie tous de vos abonnements. Regardons un peu les singes que j'ai, regardez-moi tous ces monkeys. Donc oui, merci à vous tous qui vous abonnez à ma chaîne, c'est trop super sympa. Vraiment, ça m'encourage énormément et pour même s'il n'y avait pas eu de concours pendant tout ce temps, vous avez continué à vous abonner. Ça veut dire que mon contenu vous plaît. Je vais continuer à faire des concours, mais je ne veux pas que ce soit le sujet principal de ma chaîne. Je veux vraiment vous raconter des choses, vous expliquer des trucs. Par exemple, là, je vais vous montrer la mise en néon d'un singe par ma copine Robox Kick. Et puis, je voudrais aussi vous montrer un petit glitch qu'il y a dans cette map du cirque. Ah, merci! Garde de la dame qui m'a donné un gâteau. Bon, j'ai pas faim et mon singe non plus, mais c'est super gentil. Allez, on va aller voir ce glitch rapidement et puis la mise en néon. À de suite. Alors, quand on parle de glitch, il s'agit en fait de passer derrière un bâtiment. On peut faire ça souvent dans les maisons, dans tous les magasins. Il suffit de trouver l'endroit où on peut se coller le plus au mur. Et alors par exemple, on va se mettre par là. Et parfois, il vaut mieux avoir un pet fly parce qu'on peut être au bord du vide. Donc je prends Ombre, qui est fly évidemment, et je la mets dans une poussette, je traverse et je fly. Voilà, regardez le cirque comme il est beau vu de l'extérieur. Alors là, il n'y a personne dedans, mais ça aurait été rigolo de faire ça avec les chouchous à l'intérieur. En train de faire les fous, j'y ai pas pensé l'autre jour, mais c'est vrai que j'aime bien voir des gens à l'intérieur. Ben on le refera, je pense. Je trouverai l'occasion en tout cas de le refaire. Cette map du cirque est vraiment très très belle. Moi, elle me plaît beaucoup. Voilà, et puis là, on va se retrouver pour faire le néon de Robox Kick qui a farmé toute la journée. Alors, farmer, ça veut dire élever ses animaux. Et des bébés pour faire de l'argent, pour pouvoir ouvrir des boîtes. Les boîtes à 600 dollars, on les invente pas comme ça, les dollars. Il faut jouer, faire grandir ses animaux, faire grandir, enfin s'occuper de bébés. Et ça, c'est ce qu'on fait souvent sur le serveur du gang de Discord. On fait plein de babysitting. Et vous avez là mon équipe de nuit. Hein, il est 1h30 du matin et on est en train de faire un Monkey Néon, regardez, si vous n'en avez pas encore vu, ça va sans doute apparaître sur la plupart des chaînes. Je pense que tout le monde a fait son petit Monkey Néon. Allez voir sur la chaîne de Robox Kick parce que c'est vraiment elle qui a vraiment farmé toute la journée. Là, je profite vraiment de sa mise en néon parce que moi, je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de faire mon néon aujourd'hui. Je vais faire grandir un petit peu ces petits singes.
Ça fait longtemps que j'ai pas farmé, je me fais beaucoup babysitter, mais j'y pense pas, voilà, je le fais plus trop, donc demain, je fais ça. Regardez les jolis tours qu'il a. Alors vraiment, vos pets, quand ils sont adultes, faites-leur faire leur tour. C'est ce que je vous dis tout le temps. On va faire le petit glitch aussi, tiens, de la caverne, parce que je ne l'ai jamais vu. De l'extérieur, regardez comment c'est joli. On dirait une bouche de requin, un peu, une gueule de requin, je trouve, vu de loin. Et là, oh là là. Mais c'est super sympa, j'aime bien. C'est joli cet endroit. Vous vous rappelez, hein, j'étais un petit peu déçue quand même qu'il n'ait pas changé pour le méga néon. Mais c'est vraiment un bel endroit. Avec les cristaux comme ça, les branches, on peut un peu le refaire à la maison. On a quelques éléments qui permettent de faire ça. Regardez cette map. Ils ont... Même l'extérieur est belle. L'extérieur est beau. Pourquoi je dis belle? Allez, moi je vais continuer à essayer d'avoir des items parce que je n'ai pas eu mon pet blanc et j'aimerais vraiment montrer que c'est possible d'avoir un albinos même si on n'a pas des Robux. Je vais quand même vous offrir, n'oubliez pas, c'est un concours, donc mettez en commentaire ben voilà, un commentaire avec votre pseudo pour essayer de gagner une boîte et je vous remercie mille fois de votre présence et je vous dis à bientôt!